Je n'ai pas regardé là, Lionel Balthazar nous connaît qui c'est un homme qui est plus proche du président Jovenel Moïse et il est parti président parti politique PHTK tout. Alors c'est un monde qui gagne une dette envers le président et malgré le fait qu'on est loyauté qu'il gagne envers le président, il n'est pas capable de dire président ça, Zoré président envie, attendez, il n'est pas capable de dire président ça, qu'on est capable de faire Zoré président plaisir. Alors malgré l'amitié qu'il gagne avec le président, il a toujours dit président. Président causé référendum nan, quel fond posé sous lui, question référendum causé référendum nan, quel fait manger sous lui parce que ça lui même li pas bon pour président. Lionel Balthazar qui était nan micro la presse alors qui t'a bail une conférence a étape expliquer à clair comment et question référendum nan lui même li capable plonger président Jovenel Moïse dans un profond chaos et le fait qu'on est tout si président réellement zanmi le vrai si président réellement apprend conseil que président li font camper sous causé référendum si là que nous depuis bien des temps président lui-même li pas voulait changer idée malgré diverses acolytes de les oreilles et malgré diverses opposants tout apprend la rien yon façon pour capable faire président font poser avec causé référendum nan, alors nous président lui-même qui pas voulait tourner sous décision. Président PHTK tout lui-même lui fait qu'on est et pour affecter son référendum non, président Jovenel Moïse pas gain assez de crédibilité pour ta mener pays à nan bon jan élection et nous connaît à clair divers partis gain tant dit même yo pas pral nan élection divers partis gain fait qu'on est même yo pas poser candidat. Alors n'a mandé pour question puis on a posé est-ce que réellement président Jovenel Moïse même li gain toute crédibilité pour organiser élection en Haïti? Ces questions en pile monde a posé. Alors Lionel Balthazar nous connaît qui c'est un monde qui plus proche président Jovenel Moïse, j'aime dit nous li tenir micro li tap font parler ensemble avec nous. Nous pas laisser attendre et garder comment ça té dans micro nous, mais avant même que nous laissons visualiser vidéo ça qui te prend quelques secondes pour nous saluer ou même et puis remercier au cap garder vidéo ça qui déjà parle partager qui parle quitter un commentaire sans oublier ou même qui abonné déjà avec channel là fort moins dit nous les nous abonner avec channel là c'est plus encouragement ou ba nous dans travail ça n'a faire les nous abonner avec channel là nous pouvons à clair que ça m'a fait nous vraiment intéressé la donne. Alors pour nous capable encourager encore une fois pas oublier abonner avec channel là ou même qui abonné déjà n'a dit ou merci et ou même quand regarder vidéo ça qui peut être poco abonné avec chaîne là, n'a invité ou abonné avec chaîne là pour nous capable à grandir communauté Genangia. On regarder comment Lionel Balthazar lui-même li tenan micro nous t'a répondre quelques questions quand il s'agit de questions causées référendum et puis après n'a tourner pour plus analyse. 27 juin, compte tenu du fait que bon série de conditions techniques qui pour qu'on réunir à savoir que capacité et l'ONI pour distribuer toute quantité de cartes qui est nécessaire pour faire élection. Nous croyons que l'ONI était dit que lui distribuer 4,3 millions de cartes. Il est arrêté 2,3 millions pour le bail avant référendum. Non. Nous pensons que il n'y a pas bien temps pour le bail. Et c'est dans ce sens ça, nous pensons que le référendum 27 juin n'a pas qu'à fait. Parce que l'ONI pas avec CEPA pas en situation pour bailler toutes cartes qui nécessaire pour le faire. Oui, mais l'ONI te dit que yo détaché par rapport avec démarche. Ça il estime que c'est pas une démarche qui est inclusive. C'est que toute couche profonde dans la société là faut que touche par rapport avec les documents qui élaborés. L'aime parler de l'ONI, c'est Office national d'identification qui gagne pour le délivrer 2,4 millions de cartes pour rendre le référendum non possible. L'Office national d'identification, le 8 avril, publié une dernière donnée qui montrait que eux-mêmes, en 23 mois, ils ont distribué 4,3 millions de cartes. Donc, il aurait été 2,4 millions pour permettre que tout Haïtien qui en aille de voter gagne carte. Donc, là, sans ça, nous pensons que l'ONU n'a pas de capacité opérationnel qu'il faut. C'est-à-dire, à rythme que l'ONU a pour mettre 4 jours, là, prend presque 10 mois pour lui bailler, reste 2,4 millions de cartes qui étaient. C'est peut-être ça, nous pensons que sur le plan technique, référendum 27 juin, cap pas cap fait. Donc, faut qu'on disposition qui vous prend
par le pouvoir pour connaître si la reporter référendum dans une autre date et auquel cas faut qu'il dit qui date. Mais dans l'état actuel des choses, nous pas croire que il y a possibilité pour que le référendum soit fait le 27 juin parce que à date l'ONU pas gain capacité pour le délivrer toute carte qui est nécessaire. Est-ce que ça t'a voulu dire qu'on désaccord entre PHTK et équipe gouvernementale là, souvelez président Jovenel Moïse même qui tient à ce que l'organiser le référendum pour changer la constitution? Non, nous pas une question de désaccord, c'est une question de tout simplement nous mêmes PHTK président Jovenel Moïse élu sous bannière nous avons obligation de loyauté, nous exigeons de loyauté envers le président Jovenel. Et exigeant de loyauté, ça ne veut pas dire pour 10 présidents, sale t'a rien m'étendu ou bien sale, ça cap fait le plaisir. Mais exigeant de loyauté, ça veut dire qu'il faut dire la vérité, qu'il faut décrire la réalité à Bali, Jean Lia, pour qu'il prenne les bonnes décisions. En l'état actuel des choses, Office national d'identification fait président comprendre depuis près de 2 ans, il a une capacité pour délivrer 50 000 cartes par jour. Mais sous base dernière donnée que l'Office national d'identification a publié, il n'y a pas de capacité ça, il y a une capacité seulement pour 6504 par jour. Donc sous base ça, nous dit que l'Office national d'identification avec CEPA, c'est eux-mêmes qui handicapent la capacité pour le gouvernement gagner pour faire un référendum. Non? C'est pour ça que nous demandons, président, prendre les décisions techniques d'abord avec l'ONU et le CEP. Et ensuite, prendre des décisions politiques pour connaître qui j'en a fait pour accomplir un agenda politique que le gagne et pour l'accomplir d'ici à avant la fin de son mandat le 7 février. Parce que le pari de temps, puis le temps encore, c'est 8 à 9 mois l'été pour le passer sous pouvoir. Et en 8 à 9 mois, je ne sais pas quoi, il a bien temps fait tout le bagage. Ça passe calme parce qu'on est opposition haïtienne. Non, dit, a gagné une transition de rupture quand même. Pour y a si le président Jovenel Moïse n'a pas gagné temps d'organiser le référendum le 27 juin. Et c'est sous égide, nouvelle constitution, il t'a remis, hein? Il a organisé l'élection. Hein? Automatiquement, il y a une transition. Le président Jovenel risque d'en courir là. Non, bon, c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons exigence de loyauté ça, envers le président Jovenel. Nous dit la vérité. La vérité, c'est que bon choix pour faire. Parce que dans 9 mois que tu es là, et c'est pour le président avec le premier ministre là, et puis le reste ministre prendre la décision. Est-ce que l'ONU avec CEPA a permis de délivrer toute carte qui est nécessaire pour permettre de faire un référendum avant les élections? Ou auquel cas, si vous jugez que vous n'avez pas bien temps, il a pris la décision qu'il faut pour mettre le paquet sur l'organisation des élections. À ce moment-là, qu'a demandé pour entrer dans la négociation politique, pour un accord politique, pour refaire CEP, pour refaire et gouvernement et pour venir en tente politique pour mettre le pays en mode élection. Et ça, nous pas qu'à faire en adélanté comme si le président avec partisan seulement a fait forcing. Ça a demandé négociation, entente et avec les forces politiques et sociales pour nous mettre le pays en mode élection. Surtout bon problème d'insécurité. Et nous pas qu'à résoudre le problème de sécurité, ça, sans barre en entente politique, ou apaisement avec les forces politiques et surtout les forces économiques. Je ne sais pas de là, c'est comme ça, l'Iné Baltazar, lui-même, qui c'est un monde qui est plus proche du président Jovenel Moïse, qui fait qu'on est pour question causée, fait référendum, que le président font poser sous bagaille ça parce que li pas bon pour lui. Elle fait qu'on est tout, malgré son monde qui est plus proche du président, malgré le dialogue li qu'on gagne avec le président, mais le PACA dit président Jovenel Moïse, ça, Zoreli en vite en li PACA dit président Jovenel Moïse, ça, que lui-même li qu'on est cap faire le plaisir, mais li là pour guider le président dans la loi sur, li là pour guider le président dans bon chemin. Alors, c'est une raison qui fait li voyons un message, bah, président Jovenel Moïse pour le dire pour causer que référendum qu'elle font poser sous lui parce qu'elle pas bon pour lui. Yo question un plus monde a posé tout sur tout internet là et nous dans toute la rue tout son celle question mon a posé, est-ce que réellement président Jovenel Moïse gagne toute crédibilité
pour faire bon gens élection dans pays a malgré nous et pays étrangers divers et l'autre nation te fourer bouche dans cause élection particulièrement tonton Sam te fourer bouche dans cause élection Haïti et malgré nous et tout divers décisions qu'a prend pour cause élection ça mais nous en pile parti politique pas décidé entrer dans élection en pile parti politique dit yo pas poser candidat pour aucun poste dans pays. Alors question mon a posé est-ce que réellement et président Jovenel Moïse même c'est seulement avec parti politique PHTK lui-même il a fait élection ou bien est-ce que encore une fois n'a prend yon l'autre 5 ans encore mandat PRP dans même parti politique PHTK déjà nous connaît ex président Martelly lui-même tout c'était président PHTK c'est une qui sorti dans PHTK pardon. Alors en plus on a posé question est-ce que réellement si divers partis politiques pas choisi entrer dans élection est-ce que n'a prend un autre 5 ans PHTK encore ces questions en pile monde a posé sur internet là ou même qui gon bagaille pour dire sur sujet ça pas oublier quittez nos commentaires pour dire nous est-ce que vraiment ou pensez président Jovenel Moïse ka organiser élection dans pays ça pour Jean Lia pour Jean causer insécurité causer kidnapping pas suspend à blaikol sous territoire national là depuis quelque temps alors ou même quittez un commentaire pour dire nous comment ou même où trouver question et élection en deux pays. Déjà nous remercier ou même qui t'a regardé vidéo ça ou même qui pral partager ou même qui pral quitter un like sans oublier ou même qui pral quitter un commentaire. Déjà nous remercier ou même qui t'a regardé et ou même tout qui peut-être a déjà abonné avec chaîne là et ou même qui beaucoup abonné avec chaîne là qui regardé vidéo ça n'a invité ou abonné avec chaîne là pour nous capable agrandir communauté GNGA. Quant à pour nous même n'a plaisir ou rejoindre nous encore dans une autre vidéo pour plus bon gens information.